Bonjour à toutes et à tous, c'est Samy CJD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode de Montage de l'E10. Avant de commencer cet épisode, on va bien évidemment se lancer le générique, du coup c'est parti. Et oui les potes, on se retrouve déjà pour ce 15e épisode de Montons l'HDV 10. Donc juste, j'ai lancé une petite amélioration off. J'ai lancé un petit sort en off, je crois que c'était les sorts de battre que j'ai lancé en off. Ou les sorts de speed tout simplement. Je pense dans tous les cas, dans les prochains épisodes, on va plus s'attarder sur les troupes. Et les sorts peut-être que je les ferai de mon côté. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long à améliorer le laboratoire, donc on verra ça. En tout cas, aujourd'hui, gros épisode, qu'est-ce qu'on va se faire? On va s'améliorer les deux héros au niveau 40, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit livre des héros. Du coup, on va s'améliorer les deux héros au niveau 40, on va s'améliorer tout simplement la dernière tour de sorcier, le dernier mortier, la TDA et, le canon modifié. Tout simplement, vous pouvez voir également le mortier qui s'est terminé ici, ça fait plaisir. Et dans le laboratoire, je pense qu'on va s'améliorer les bébés dragons. Du coup, on va pas perdre plus de temps, on va directement les améliorer, 3, 2, 1, boum, let's go. On va sûrement aussi s'améliorer des petits murs, tout simplement. Hop, vous pouvez voir ici également qu'on a 10 000 d'élixir noir, donc ça fait super plaisir. On va aller farmer un petit peu, on va faire quelques petites attaques, bien évidemment. On va se lancer la reine niveau 40, évidemment. Du coup, directement 3, 2, 1, boum, on se l'améliore, on se la termine avec un livre des héros. Et voilà, la reine, du coup, qui est maxée. Il va nous falloir juste 4 000 d'élixir noir à farmer pour le roi. On a déjà pas mal de ressources ici également. On va s'améliorer, du coup, la TDS directement. Boum, on récupère encore une fois toutes les ressources. On s'améliore le mortier directement, on s'améliore, ok là on a plus assez pour s'améliorer quelque chose, donc là on va farmer, on va récupérer la trésorerie directement, et là on peut s'améliorer le canon, du coup il va falloir farmer 2 400 000, on va également s'améliorer des petits murs avec les ressources qui nous restent, écoutez, hop, ok là on a plus assez, donc boum, on va s'en améliorer, on va continuer à s'en améliorer quand même, parfait, on peut encore s'en faire un. C'est bon, du coup maintenant on va se farmer du coup pour la tour d'archer et pour le roi. Donc voilà, on perd pas de temps, on part directement en attaque tout simplement. On part directement, écoutez, hop, on va juste mettre la barre simple. Parfait, on part directement, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc on va voir si on peut se trouver beaucoup de ressources ou pas. En tout cas, 2 400 000, on va voir si c'est faisable de se faire assez facilement. Ici directement on a 700 000, donc ça c'est plutôt cool, écoutez. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Du coup, on va se maxer nos héros dans cet épisode. Ça fait vraiment super, super, super plaisir. Quand même, hein, les héros niveau 40, c'est vachement cool. Écoutez, du coup, dans les prochains épisodes, ce qu'on se fera, c'est qu'on s'améliorera des TDA et des canons, parce que c'est les seuls trucs qui manquent en défense. Après, on se fera les pièges, puis les extracteurs mines dans de prochains épisodes. Voilà, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Ok, là je pensais on pouvait tout prendre, pas du tout. Du coup, ici on a un petit peu d'élixir noir, mais dans tous les cas, élixir noir on a déjà assez. Bon, oui, le roi en haut, la reine en bas, on va essayer de faire le 50, ça pourrait être plutôt cool. Écoutez, du coup, est-ce qu'on n'a pas des petits hôtels de héros à récupérer ici également? Si, let's go, on va se récupérer. Est-ce que là on peut se récupérer la petite rose? Oui, parfait. Hop, on récupère ça, boum. Là le roi en haut il tape du mur, donc on s'en fout. Hop, on a fait le 50, parfait. On s'en va directement, on a repris 500 000, ça fait plaisir. On va refaire comme à chaque fois les petites vengeances, vite fait, voir si on peut se trouver du lourd à attaquer tout simplement. Ici il y a du 450 000, c'est pas terrible, je pense qu'on peut se faire mieux. Hop, on va voir, on va voir, tac. Du coup, est-ce qu'il y a une petite base bien? Ok, ici il y a 77 000, c'est pas ouf. Hop, on continue, bam, 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 hop. Hop, hop, ensuite ça c'est les trucs qu'on avait déjà fait. Du coup, ici, qu'avons-nous là? On a du 750 000 d'or. En vrai, je pense qu'on peut attaquer. Je pense qu'il a bien 300 000 ou 400 000 dans ses extracteurs et ses mines qui sont à l'extérieur. Donc je pense qu'il y a un monde où on peut prendre quand même pas mal. Je pense qu'il y a moyen de se prendre quand même pas mal. Il avait 700 000 et il va lui rester quoi, 300 000, ouais. Écoutez, c'est toujours ça. On aura pris quand même un petit peu de ressources. Regardez, il y a 44 trophées aussi. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, on aura pris environ la moitié. On aura pris 300 000. Ça va, c'est plutôt pas mal. Donc, on va pas faire durer l'attaque trop longtemps. Ouais, c'est ça. On aura pris 400 000. C'est cool. Hop, on récupère ça. On récupère ça également.
on gemme directement. Vous pouvez voir qu'on serait refait un petit stock de gemmes, c'est plutôt cool. Les gemmes du coup qui sont à nouveau présentes. On va continuer Vengeance, écoutez, je sais pas où on s'est arrêté par contre. Ça c'est juste un peu dommage, je sais pas où on s'est arrêté. Tac, du coup on va faire ici, ici, hop, hop. Ok, ici on a du 600 000, mais c'est beaucoup trop dans les réserves. Hop, on continue directement, boum. Et la dernière, tout simplement, qu'avons-nous ici? Ok, ici on va attaquer, c'est un village abandonné. Donc on se le fait directement. Directement, on perd pas de temps, écoutez. Ici, par contre, ouais, c'est un vrai village abandonné, il a tout dehors. Donc ici, on va se faire plaisir. On va se faire très 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 plaisir. On va essayer de prendre tout l'or, tout l'élixir. Regardez, niveau or, on a déjà quasiment tout pris. Il va nous manquer plus que 700 000 d'or. On va pouvoir également continuer à s'améliorer des remparts avec notre élixir. Donc ça, c'est plutôt cool. On va se récupérer un petit peu plus d'élixir. Écoutez, ici, boum, on peut se récupérer ça. Ici, on va pouvoir se prendre pas mal de ressources également. Hop, regardez ici, bam, on s'est pris vraiment pas mal de trucs. Hop, on se repose ça, et hop, ici on va se poser tout ça. Comme ça, on est à 46%, on va s'envoyer les deux héros directement. Comme ça, le roi, il va pouvoir tanker, la reine derrière, elle va pouvoir bien taper, ce qui est plutôt cool, directement. Allez, on va attendre tranquillement les deux héros, 48%, on envoie la capa directement. Et c'est bon, on aura tout pris. Boum, on a pris 684 000, c'est très bien. Hop, on reforme, on régime encore une fois. On repart directement. On repart directement. Du coup, il va nous manquer combien? Il nous manque 700 000. Ok, il nous manque 700 000. C'est faisable de trouver ça rapidement, en vrai. Un petit 700 000. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Alors, 700 000 d'un coup en deux attaques, on verra ça. En temps et en heure, suivant les bases qu'on va trouver, surtout. Hein. Suivant les bases qu'on va trouver, on verra si on peut se trouver direct 700 000 ou si on va se faire en deux attaques. On va voir ça. Écoutez, bon là on tombe sur du 90 000, ce qui est franchement pas terrible du tout. C'est vraiment pas ouf là. Hein. C'est vraiment pas ouf sur ce qu'on tombe là. On tombe sur... on est sur des hors 1. Les hors 1, ils sont vraiment pas remplis du tout. Les hors 1, ils sont vides. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses, les hors 1. Là, déjà, on est sur du cristal 3. Il y a 450 000, mais c'est dans les réserves. C'est un petit peu relou. Écoutez, c'est pas ouf. C'est pas terrible. Du coup, 215 000 ici. C'est pas ouf. Est-ce qu'on va se retrouver du 1 million? Faudrait se retrouver du 1 million, là. Ce serait cool. Ouais, je sais pas, peut-être que la zone de farm a changé, ou peut-être que je farme pas la bonne heure, je sais pas du tout. Enfin, pourtant, l'heure à laquelle je farme, normalement, ça va, j'ai envie de dire. C'est pas non plus dégueu. Mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, ce qu'on va se faire, on va se faire une petite ellipse, tout simplement. Et on va se retrouver quand on aura trouvé une bonne base, tout simplement. Allez, potes, on se dit à de suite. Bon, les gars, enfin une base. C'était très très dur à trouver, on trouvait que des 100 000 ou des trucs comme ça, donc vraiment pas ouf. Enfin une base, en plus une base abandonnée, donc ça c'est cool, voilà. Enfin je trouve une base, ça fait vraiment 5 minutes que je suis en recherche de base, tout le long. Donc bon, on va dire que cette base tombe à pic, et elle arrive enfin, hop, on va essayer... de se récupérer un maximum ici, regardez, on va essayer de faire 50 surtout, ce serait cool. On est à 43%, on va s'envoyer les deux héros directement, on va s'envoyer deux sorts de foot par ici. Ok, on est à 47%, on est avec l'artilleur en plein milieu. Ok, 48, on va activer la capa du roi directement, la reine qui va continuer à faire un petit peu le tour je pense. On va activer sa capa également. Let's go, le 50 qui est fait. Du coup, il nous manque plus que 200 000. Écoutez, les 200 000, il y a moyen de se les faire assez facilement. Allez, on repart du coup directement. On va essayer de se trouver une dernière petite base. Du coup, je pense, une dernière petite base, ça va suffire. Écoutez, sauf si on tombe que sur des 80 000. Là, ce serait pas terrible du tout. Si on tombe que sur des bases comme on a là, c'est vraiment pas ouf. Faudrait que je monte encore un peu en trophée, je pense. Parce que là, c'est vraiment pas terrible du tout. On tombe que des 200 000, ou même des 100 000, mais vraiment, tu sais pas où sont les ressources. Alors que normalement, sur en H2N10, on a déjà prouvé durant plusieurs épisodes, on trouve des 1 million. Là, on tombe sur des 200 000, donc c'est vraiment pas ouf du tout.
Le farm est pas terrible. Le farm est vraiment pas terrible ici. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, on peut pas faire autrement. C'est le jeu, il nous donne ce qu'il a envie de nous donner, j'ai envie de dire. Le matchmaking qui nous donne rien. Quoi? Faudrait pouvoir affiner le matchmaking. Ah, voilà. Enfin, un petit 600 000. Bon, le gars a une base un peu dégueulasse. Le gars, il a une base clairement dégueulasse. Hop, on va envoyer des petites troupes tout autour. Et c'est bon, on a les 2400, on a les 2 400 000 qu'on veut, tout simplement. Donc là, on va continuer l'attaque tranquillement. Essayer de se faire le 50, encore une fois. Et on se récupère pas mal d'Elixir Noir également, c'est plutôt cool. Comme ça, pour améliorer dans les prochains épisodes les troupes d'Elixir Noir. Vu que là, on va finir les troupes en Elixir. Faudra entamer les troupes d'Elixir Noir dans les prochains épisodes. Donc ça, ce sera plutôt cool. Du coup, on s'en va directement. On aura pris 400 000, on aura pris pas mal, c'est cool. Hop, on va continuer, on va s'améliorer des petits murs, écoutez. Let's go. Hop, on continue, on peut s'en améliorer 2, du coup. Et c'est bon, on s'améliore la tour d'archer directement, 3, 2, 1, boum. Et voilà les potes, du coup. C'est sur ça que se termine cet épisode. Bien évidemment, je n'ai pas oublié le roi, du coup, directement 3, 2, 1, boum. C'est bon les potes, cette fois-ci, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochains épisodes de prochaines vidéos sur Clash of Clans. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à la partager et à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et sur ce, c'était JD. Et moi, je vous dis bye tout le monde.